Bon, c'est bon, c'est parti, oui. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 40 de Woz Bizarre Aventure. Avant de commencer, j'avais oublié de vous parler lorsque j'ai passé Yotried niveau 110. J'ai récupéré évidemment la lettre qu'on est censé récupérer quand on est niveau 80. Et donc, voilà, je voulais vous la lire. Alors, par contre, elle est peut-être au nom de Yotriette, résultat. Non, le nom Yotriette n'apparaît pas. Donc, bon, c'est. Voilà. Alors, par contre, c'est en anglais. Cette lettre n'a pas été traduite. Donc, félicitations pour votre conviction pour atteindre la 80e saison de votre aventure. Vous avez. Un double tir. Je connais pas ce mot. Dedicated to the cause. Vous avez. Ah, d'accord. Vous avez indubitablement dédié. Vous avez été indubitablement dédié à la cause à travers Azeroth. Apparemment, contre les démons qui gangrènent, qui nous gangrènent. Et pendant cette journée, pas facile. C'est pas facile à l'écrire bizarrement cette lettre, un petit peu. Elle est un peu. Elle est dans un langage assez soutenu, j'ai l'impression. Et pendant. J'ai du mal à la traduire. C'est surtout Fusfar là. C'est cette journée qui fut lointaine, c'est ça? Non, c'est qui a été. Bon, et la vraie bataille arrive prochainement. Battons-nous, Ronin. Ronin, c'est. Je sais plus qui c'est Ronin en anglais. Je sais plus à quel personnage en français ça correspond ce nom. De Poelvir, voilà. J'ai du mal avec cette phrase. Et pendant cette journée, Fusvar was been no minor feat. J'arrive pas à traduire cette phrase. C'est pas grave. Voilà, aux deux cas, voilà, vous aurez vu la lettre du niveau 80. C'est dommage qu'elle n'ait pas été traduite et puis elle semble être écrite dans un langage un peu soutenu en anglais. Je suis très bon en anglais, mais là j'ai un peu de mal, là, j'avoue, à traduire une des phrases. Donc bon. Ah, moi j'ai plus l'habitude de lire de l'anglais technique, hein, d'informaticien. Mais voilà. Ou vraiment couramment, quoi. Enfin, du courant moderne, quoi. Là, j'ai l'impression qu'elle a été écrite vraiment dans un langage un peu soutenu. Donc, nous sommes de retour à Rosée de Miel, là où on s'était arrêté à l'épisode 39. Vous avez vu normalement mercredi dernier, pour vous mercredi dernier, hein, le timelapse de la découverte de Pandarie, mais c'était le pire timelapse du monde! Si l'enfer a un nom, c'est ce timelapse. Voilà, je vais baisser un peu le son du. Interface. Non, c'est système. Attendez, je vais baisser un peu le son, il m'arrache le. Voilà. Mince. Non, c'est bon, il avait sauvegardé parce que j'avais pas cliqué sur OK. OK. Donc nous sommes de retour à Rosée de Miel. J'en ai chié pour le timelapse. Le truc c'est que je relançais tout le temps. Enfin, j'ai dû couper plusieurs fois l'enregistrement pour charger la map. Sinon, il y avait des gros blancs dans le timelapse où j'attendais juste que la map charge devant moi. Bon, finalement, le rendu donne pas trop mal, même si on voit des trous dans la map plusieurs fois dans le timelapse, mais ça se fait, donc voilà. Donc
Je suis niveau 91. J'ai farmé un petit peu. J'ai notamment monté la couture de Pandari à 100%, enfin à 75 sur 75. Mais je n'ai pas tous les patrons. Donc ça, et pour avoir les autres patrons, il faut que je collecte des granules d'harmonie. Quand je collecte 10, je récupère un esprit d'harmonie. Et un esprit d'harmonie me permet d'avoir un patron. Il m'en reste, si je dis pas de bêtises, peut-être une dizaine à avoir de patrons de... Donc voilà, donc on va faire quelques quêtes en Pandarie. L'objectif, c'est de réussir à avoir... à dropper ces granules. On va rester peut-être ici jusqu'au niveau 95-96 avant de se diriger vers Draenor. J'ai envie de profiter un petit peu du calme, de cette sérénitude, de cette ambiance de la Pandarie. Désolé aux puristes qui n'aiment pas Mist of Pandaria, mais moi je trouve que c'est une extension qui vaut le coup d'être vue. Le sang de l'Alliance sera versé. Ok. Loctar. Ok, là. Donc il faut trouver les quatre. Enfin voilà, les quatre personnes. Cette terre sera parfaite pour notre peuple. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Voilà. Niveau... Oui, niveau... Ouais. Wow. On se calme, le matou. Voilà, il est là. Ah, c'est pas vrai, je me fais attaquer par derrière. Oui, niveau pognon, je disais, j'ai remonté pas mal, hein, 1200 pièces d'or. Ce qui est correct. J'ai faim. Bah, mange un Je coup. repars placer. Excusez-moi. Ok, bah, c'est bon, on a... Ah d'accord, on peut la rendre comme ça. Ouais, allez. Mais on va quand même retourner... Ok. Quelles nouvelles apportez-vous? Retrouver Xingun à l'ascension des vents tourbillonnants. Trouvez l'alliance. Ma hache me démange. D'accord, et puis il y a des nouvelles phrases, hein, notamment comme celle-ci. Ok. Réaliser des croquis de chaque morceau de la statue ancienne. Ah, ça a pas... Salut. De choisir une récompense. Qu'est-ce qu'on a? De belles bottes. De belles bottes. Sur un score critique. Hâte ou maîtrise? Moi, je privilégierais plutôt la hâte, hein. Pour le reste, ça change pas. Je vais prendre les bottines. Attendez, hop, ça, satin. Ou... Ouais, allez, on va prendre en satin. Que les esprits vous accompagnent. Et hop. Ok, et ta quête, Vous c'est êtes quoi? plus. Récupérer les affaires sur les Maldères. Ok, donc c'est des mobs à tuer. Si vous perdez la trace de...
aller lui reparler à l'ascension des vents tourbillonnants. D'accord, alors normalement la quête prévoit qu'on le suive en fait. Bon. Et cette quête-là, pourquoi j'ai pas pu la prendre? Je sais pas, cette quête-là a l'air buggée. Je peux pas la prendre. Donc, faut buter les singes là, apparemment. Il y a ces singes là, c'est pareil, c'est un peu compliqué. C'est une faction à part entière de l'île, enfin de l'île, du continent pandarien. Pandarie, voilà. Mais voilà, j'ai pas vraiment suivi l'or de ces singes là. Toc, 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 on va utiliser évidemment, comme d'habitude, la succube. J'ai l'impression qu'ils sont résistants quand même. Ok. J'ai un élément. Bon, donc ça voilà, faut juste buter des mobs et puis dropper donc les éléments qu'il y a dessus. On va faire ça rapidement. Et j'espère que ces mobs drop des granules d'harmonie. Ok. J'ai un deuxième élément sur les quatre. Attendez, je vérifie que tout fonctionne, hein, mais c'est bon, 13 minutes d'enregistrement. J'ai... Oui, excusez-moi. C'est bon, j'ai le micro qui fonctionne. Donc c'est bon, ok. Je suis hors de portée. Donc non, toujours pas. Alors le problème c'est... Viens là. Zut! Je vais pas pouvoir le looter. Tant pis. Je vais pas pouvoir le looter, fais chier. Je vais en ramener un autre tout près histoire de pouvoir le looter.
Ok. Et il me reste plus que le dernier élément. C'est pas lui qui l'avait. Donc oui, je disais, hein, le timelapse de la Pandarie, j'ai vraiment galéré à le faire. Mais bon, le rendu est pas trop mal non plus. J'espère que pour le prochain timelapse. Le problème, c'est que le prochain timelapse. Je suis pas sûr de faire Draenor en fait. Parce que Draenor est vraiment grand. Je suis pas sûr que ce soit faisable, Draenor. Surtout si on a des problèmes de chargement, en fait. Si on a des problèmes de chargement, c'est même pas la peine, quoi. Ah oui, puis on a un problème aussi avec Cataclysme. Je devais aussi prévenir. Je n'ai pas le haut fait d'exploration de Cataclysme. Tout simplement parce que le portail de téléportation vers Vachrir n'est pas accessible. Il ne fonctionne pas. J'ai envoyé encore un bug report sur le bug tracker, mais peut-être que si je l'écrivais en anglais, j'aurais plus de chance. Je sais pas. Je l'écris en français. Peut-être que sur le bug tracker, vaudrait mieux écrire en anglais. Bon, j'arrive pas à voir le dernier. Ça y est. Suffit que je me plaigne. Donc. Alors, tuer Gonk. À plus tard. Je sais pas ce que c'est une parodie de Gong, de Donkey Kong. Enfin oui, de Kong, ouais. On va prendre le fly. Hop. Mince. Alors j'espère que c'est pas un... Il est où?
Il a l'air d'être là-dedans. Ouais, il est là-dedans. Alors, il ressemble à quoi? 11 000 points. Ok. Je lui envoie tout ce que j'ai, hein, franchement. Ouais, ça va le faire. Ok. On va prendre la quête qu'il y a là, mais d'abord on va buter lui là. On va pas la rendre à distance cette quête. Que je vais voir s'il me donne une autre quête avant. C'est le problème de rendre les quêtes à distance, c'est que c'est pas dit que ben, on passe à côté d'autres quêtes, donc ah bah ok, on peut la rendre ici en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a une robe en maîtrise ou cette robe là. Ah d'accord, on a le choix en fait entre du score critique ou de la hâte, donc ben, on va prendre du score critique. J'ai pas regardé en détail, mais ouais, on perd juste de la hâte, quoi. Bon, c'est pas grave. Hop, allez. Les yeux de Hurlenfer sont sur vous. Rien ne se mettra en travers de notre Ok, tu es 15 soldats, ça sent la quête que je ferai hors caméra. Tu es le caporal Jackson Silver, Morgus H. Funest, le maître ingénieur du tourbillon machin, et le gyro mécano, ok d'accord. Noirceur intérieur, tu es le capitaine Doren. On a l'air d'être un boss. Soyez sans peur, la horde vaincra. Ouais, pour la horde. Bon, alors on a quoi? On a le capitaine, on a ces quatre, les quatre Gugus là. On va peut-être se concentrer sur les quatre Gugus d'abord. S'ils sont là. Que ça a pas l'air d'être le cas. Mais j'ai personne là. Je suis censé être en plein milieu d'un camp ennemi là. Ok, les PNJ sont pas présents. On va voir pour le capitaine. Il est en contrebas, ça. Non, il est en haut. Ça, il est censé être ici, hein. Ok, ces quêtes là sont pas faisables, les PNJ sont pas là. Tiens. D'accord, ok, on peut rendre des quêtes ici en fait. Sauf que ben je peux rendre aucune quête, j'ai pas les. J'ai aucun des mobs. Même les gros bras ils sont pas là. C'est cocasse. Normalement, il y a des membres de d'alliance ici. Bon, bah ok. Ben, salut, hein. Aucune de ces quêtes sont faisables.
Bon, donc suivant. Est-ce qu'on a une indication sur les quêtes? Ouais, là. Là, mais s'il me dit voilà, gros bras. J'ai une quête juste à côté de moi. Mais pareil, je la vois pas. Donc juste question. Ouais, donc c'est ça. Donc ici, ce sont les quêtes que je ne peux pas faire. Donc. On va se diriger vers les quêtes du monastère du Titan. Hein. Y a que ça à faire, de toute façon. Hein. On va aller au monastère du Titan. Il y a des quêtes cool à faire là-bas. En fait, là, on va avoir des quêtes qui vont nous amener de monastère en monastère. Et c'est censé être, dans l'idéal, enfin, dans le lore du jeu, une espèce de quête initiatique. Où les Pandaris nous transmettent, eh ben, leur culture. Donc, on a, ben, voilà quoi, les entraînements au combat, mais on a aussi leurs arts culinaires parce que les pandas aiment bien bouffer enfin voilà quoi c'est plutôt cool. Ah, ça charge par contre. Alors ici j'ai vu qu'il manquait des PNJ quand je suis passé pendant le timelapse. Parce qu'il est censé y avoir plus de PNJ que ça. Ah, c'est là. De quoi avez-vous besoin? Ah. Le tigre blanc vous protège. Parlez. Ok, un dos solide. Obtenez un chaudron. Ok. On ferme. Obtenez 80 fioles. Extrait de chromazine, d'accord. Donc ça, c'est la quête de récolte. Et tuez 10 entourloupeurs. Ok. Alors on va commencer par les. Hop. Par. Cette quête-là. Normalement, il y a le PNJ quand même. C'est pas lui? Parlez-moi de vos voyages. Alors, on est censé avoir. Chaudron. Ouais, si chaudron. Non, c'est pas lui. Oh non, on me dit pas que le PNJ il est pas là. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Zut. Il y a censé en fait y avoir plusieurs PNJ ici qui vendent de diverses choses, mais la plupart des PNJ manquent, c'est censé être une place de marché ici. C'est ennuyeux. À moins que je ne puisse le récupérer. Directement dans. Là, il y a une espèce de chaudron, là, mais c'est pas ça. Non, ça m'a l'air compromis tout ça. Bon, bah cette quête-là n'a pas l'air d'être possible.
Les extraits, on va voir ça. Ah, il manque, il y a encore des quêtes. Oui, bah oui, c'est celle que je viens de d'annuler, tout simplement. Je vais voir juste s'il n'y a pas d'autres quêtes qui traînent. Mais oui, c'est pas normal que ces maisons-là soient vides. Il est censé y avoir des PNJ là-dedans. Et il manque des PNJ dans ce monastère. Là, hop. Bonjour. L'apprentissage commence ici, ok. Présentez-vous à l'instructeur Xan, ok. Présentez-vous au paysagiste, ok. Tiens, j'ai pas pris le fly ici. Il est où le fly? Bon, on va prendre cette quête-là. Ok, je viens de le voir. Alors, on a l'entraînement au combat. Chenze, triomphe de Chenze, ok. Et défier une scène, ok. Donc ça, voilà, ça c'est l'entraînement au combat. Ah là, puis il y a le fly qui est là, je l'avais pas vu. Donc ça, on peut déjà faire ces petites quêtes-là. Alors oui, il y a les élèves en question, là, mais on va d'abord faire les autres trucs. Il est où? Il est là. Alors, avant, parce que on connaît ce genre de quête. Non, hop. N'est-ce pas? C'est le genre de quête où, en fait, le mec, il tape à 2000 points de vie. À 2000 points d'attaque. Que les eaux vous accompagnent. Ok, il balance des attaques cheloues. Non, le jeu, tu ne frises pas, s'il te plaît. Ok. Ah, il tape, mais c'est bon. Bon, ok, donc ça, c'est bon. Les élèves, on les fera après. Pour le moment, je m'attaque vraiment au... Voilà, il y a Chetze également. Ah, cette musique. Normalement, il est en haut d'un rocher, si je me souviens bien. Non, pas là. Il est là-bas. Je sais bien qu'il est en haut d'un rocher. Ouais. Ouais. C'est John Rambo. Il est insensible à ma... Ouais. Je sais pas, il a esquivé plusieurs fois ma corruption. Ok. Donc lui, c'est bon. Il m'en reste un autre. Je crois, non. Présentez-vous. Et élève du titan. Donc, il faut affronter 8 élèves du titan. Racontez-moi vos voyages. Oula, ça risque d'être long si je te raconte tout depuis le début. Voyagez prudemment. Ça va, sont pas... Bon, ils tourbillolent un petit peu, mais...
Ah d'accord. Les quêtes ici sont un peu buggées, hein. Parce qu'ils considèrent que j'en ai vaincu 5 d'un coup là. Donc c'est cool, je vais peut-être pouvoir en battre que 2 et puis ça va être réglé. Elles sont buggées mais plutôt dans le bon sens en fait. C'est que... Ouais. Je sais pas trop pourquoi ça se comporte comme ça, mais bon, on va pas se plaindre. D'accord, par contre, c'est pas à lui qu'il faut que je rende ces quêtes-là. Non, bah non, bah non, c'est... voilà. Excusez-moi, ça c'était le maître de vol. Du calme. Oh. Ça suffit. Bon, niveau 92 déjà. Ah oui, et puis j'ai un point de compétence à mettre. C'est vrai, j'avais oublié ça. Hop. Ok, et donc, voilà. Et donc, défier, voilà, Xiao, de toute façon, il faut qu'on aille le voir et triompher de lui. Le tigre blanc vous protège. Voilà, et oui, il faut qu'on mette un point de, le point de compétence là qui me manquait. Et ce sera certainement étreinte de l'ombre. Qui donne un effet supplémentaire à mon trait de l'ombre. Il augmente les dégâts infligés à la cible de 3% pendant 10 secondes. Et c'est cumulable 3 fois. Sinon, j'ai un sortilège qui est hanté. Une âme fantomatique vient hanter, lui inflige. Voilà. C'est un nouveau dot. Voilà. Sinon, il y a le grimoire des sacrifices. Voilà, qui fait sacrifier le démon. Et puis... sacrifice de votre démon pour gagner en puissance et récupérer son commandement. On va prendre l'étreinte de l'ombre, honnêtement. Après, et l'avantage c'est que... Ah non, je vais dans une zone de repos, mais en gros, dès que j'arrive dans une capitale, je peux changer sans payer. Avant, fallait payer pour oublier et puis changer. Maintenant, c'est plus le cas. Bon. Bonjour. Ah, il a 17 000, lui. Ne vous pressez pas. Ah, par contre... Bienvenue. Ah, problème. Parlez-moi de vos voyages. Je peux pas l'attaquer. Ne vous pressez pas. Je peux pas l'attaquer. Ça c'est fait. Il me propose pas le dialogue. Ok, on retourne voir lui. Parlez. Ok. Donc. Ok. À la prochaine. Obtenez 6 cannes de rotin. Ah oui, ça, je me souviens de cette quête. Achetez une fiole extrait de noix noire à fleur blanche. Achetez 3 bières au maître brasseur. Le tigre blanc vous protège. J'aimerais changer de cagoule. Oh, bonjour. Alors, il me faut, j'ai dit, donc de l'extrait de noix noire. Ok. Adieu. Il me faut. Bienvenue. De la bière. Voilà, ok. Le serpent de jade vous guide. Et les cannes en rotin. Et les cannes en rotin, ça se récolte. Alors, il y en a un peu partout. Le truc, c'est de les trouver. Dès qu'on en a trouvé, c'est bon.
Il semblait qu'il y en avait au bord de l'eau là, mais là-bas. Il y en a une là-bas. Bon voilà, c'est une petite quête de récolte, ça va aller assez vite. Ah, il y en a une autre derrière. Des espèces de jeunes pousses de bambou. Voilà, on en a déjà la moitié. Là-bas. Ah, c'est bon, j'ai les trois qui me manquent. Allô le jeu. Allô le jeu. Pourquoi t'as buggé le jeu? Ok. Et la dernière. Voilà. Voilà, petite quête rapide. Ça c'est cool, ça. Quand ça se passe comme ça, c'est plutôt cool. De quoi avez-vous besoin? Au revoir. Ça suffit. Et j'ai vu. Donc là-bas, il y a une autre quête. Ah oui, là, ici. Pratiquer 12 passes d'entraînement au camp d'entraînement. Alors ça, j'ai pas bien compris ça, ce truc-là déjà. Bien le bonjour. Quelle sagesse recherchez-vous? C'est pas ces trucs-là? D'accord, les trucs ont 82 000 points de vie, mais c'est pas grave. Ah, on a le nouvel effet. Qui augmente les dégâts. J'espère que c'est pas ça, hein, parce qu'ils ont... V'là la masse de points de vie qu'ils ont, les trucs. Ah mais c'est pas gérable. Si c'est ça, c'est pas gérable. Hein. C'est le truc. Je suis même pas à la moitié de tes points de vie là. J'ai déjà envoyé la moitié de ma mana. Et si en plus le jeu se met à bugger. Ce qu'il est à côté là, mais c'est un elfe de la nuit guerrier. Ok,
Au moins, il m'a pas saoulé à vouloir me m'envoyer un duel. Ce qui aurait pu me saouler avec ça. Allez, plus que 3000 points de vie. Ça va se faire. Et le moment de vérité. Et sauf qu'il peut pas tomber à zéro. Il peut pas tomber à zéro. Ça a pas l'air faisable. Que dit la quête? La résistance atteinte par la répétition, chaque recrue dans l'arène s'entraîne ci-dessous, finira par s'en approcher. Si elle n'abandonne pas avant, c'est un fait. Je vous engage à les rejoindre, mes yeux normands, en tant que membre honoraire du monastère. Vous n'avez pas à pratiquer les 10 000 passes quotidiennes. Suivez juste l'exemple du maître pendant quelques minutes. J'ai une action à faire, j'ai... Bienvenue. Vos yeux trahissent de nombreux voyages. Bon, ma succube, elle s'éclate en attendant. Bon, bah écoutez, je pense que ça vaut pas la peine d'insister, hein. Donc, on a les verbois là à voilà, à buter. Les quêtes sont en vert, ça veut dire que je suis d'un niveau trop élevé pour les quêtes normalement, mais je vous dis, j'ai envie d'avancer un petit peu, puis c'est 41 000 quand même d'XP quasiment à chaque quête. Donc on peut up vite avec ces quêtes là. Le jeu voudrait clairement qu'on se dirige vers Draenor, mais... Ok. Ok, 5 000 points de vie. Hop. Je suis trop loin. Bon, il y en a 10 à buter.
suis hors de portée. Décidément, je sais pas ce qu'ils ont tous avec Je peux faire celui au téléphone là. Bon, on est à 5 sur 10. On va regarder un petit peu aux extraits de Cramoisine. C'est juste à côté. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai buté tout ce qu'il y avait. D'accord. Par contre, il y a des meubles. Ça peut être ça aussi. Ok. Donc j'ai 8 trucs comme ça à récupérer. Sauf que j'en vois pas des masses. Là. D'accord, ça peut être un peu plus. Si on a un peu de chance, ça peut être un peu plus. Oh putain. Ah, c'est pas vrai. Ah d'accord, le problème c'est que lui, s'il les attrape aussi, ça me les efface de l'écran. Alors ça c'est pas cool. Parce qu'on est deux, sur la même quête et résultat ça aide pas. Là. Ok, de toute façon ça a l'air de repopper assez vite. Ouais, ça repop. Ça repop plutôt vite, donc c'est bon. Est-ce qu'il y en a plus haut que j'aurais pas vu? Là. Bon, ça va, on est à 76. Donc il me reste plus qu'un seul à récupérer, puis ce sera bon. Là, il y en a un là. Et sinon, il y en a juste un juste à côté que je viens de voir. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Il me reste toujours les entourloopers. Ça. Voilà. Hop.
Là-bas, il y en a un caché là-bas. Je n'ai pas de cible. Ah d'accord. Il me faut une cible. Si je demande à ma succube de le... choisir une cible. Non, pas accessible. Même pour ma succube. Donc... lui, il est bien planqué. Il y en avait par contre bas. Ah non, ça y reprend, hein, ma succube là. Mais tu vas arrêter, oui. Bon. T'en donner des fessées, moi. Bon, là, par contre, c'est chiant. Parce que eux ils sont loin à repop. Quand ils sont accessibles. Ah. Bon, les étoffes d'éolienne, en soi, j'en ai plus besoin, hein, donc je vais les vends à l'HV.